Bonjour à tous et bienvenue dans mon Draw My Life. Moi je m'appelle Bernard, mais moi je n'aime pas ce prénom donc je préfère qu'on m'appelle Jojo. Je suis né le 1er avril, alors forcément vous allez dire ouais, 1er avril, poisson d'avril, MDR blague, mais ça on me l'a fait toute ma vie. Toute la vie j'ai eu des poissons dans le dos parce que j'étais un 1er avril. Je suis né année 1993. Donc l'année 1993, c'est la génération Big Deal. C'est pas Maître Yoda, hein. Lui c'est Maître Yoda, il est vert, lui c'est le Big Deal. Après, il y avait aussi les Pokémon et puis il y avait aussi les Minikem. On est la Minikem génération. Les Minikem, voilà, ça se voit pas, hein, mais c'est une marionnette. Les Minikem, c'était les présentateurs télé, c'était des marionnettes. Bon, alors, comme tout le monde, bah je suis né d'un papa et puis d'une maman. Bah t'as, là, j'ai mal fait, parce que ma maman, elle est grosse en fait. Puis mon papa aussi, mais que du bas, ça fait comme une poire. À mon moment, et mon papa, ils ont eu plein d'enfants. Et Robert, après il y a eu Maurice, puis après il y a eu Katia, et puis il y a Théo, et puis il y a Grégoire, et puis bah, le dernier, ben c'est moi. Et Théo, c'est celui qui fait mes vidéos dans sa chambre, à 35 ans. Un jour, mon papa et ma maman, ils s'est mis plus le cœur brisé. Ma maman, elle a trouvé un nouveau copain, il s'appelle Geoffrey. Et mon papa, lui, bah, comme il est moche, il a trouvé personne. Mon maman et Geoffrey, ils ont eu mes demi-frères et mes demi-sœurs. Donc il y a eu Dylan, et Kevin, et Kimberley, et puis le dernier, c'est Anthony. Robert, lui, s'est marié avec Ginette. Maurice, trop moche comme mon père, il est avec personne. Et Katia, elle s'est mariée avec Kevin, ce qui fait qu'il y a deux Kevin. Robert et Ginette, ils ont eu quatre enfants. Que j'ai oublié un peu les prénoms. Et Katia et Kevin, ils ont eu deux enfants. Et puis Katia, elle m'a dit, eh ben, pourquoi que Bernard, il serait pas le parrain de Dylan? Et puis Kevin, il a fait, non, moi, je veux pas que ton frère, il doit être son parrain de mon fils. Du coup, bah, j'ai pas été parrain. J'aime bien le foot aussi. Mon équipe préférée, c'est le RC Lens. Normal. Bon, là, j'avais pas de jaune, j'avais que du orange. Et puis, j'aime bien aussi le LOSC. Tout le monde, il croit que les Lensois, ils aiment pas les Lillois et tout. Mais moi je préfère les équipes du Nord comme Lille que des connards comme le PSG ou Marseille. Hein. De toute façon, tout le monde est d'accord, on est tous fans de l'équipe de France. Et puis mon joueur préféré de l'équipe de France, c'est Benzema. Très fort. Moi, j'aime beaucoup les voitures. C'est tout les voitures de feu. Après, j'aime bien aussi les fleurs. Mais c'est pas que je suis pas pédé. Hein. J'aime bien aussi les jeux de guerre comme Call of Duty, tout ça. Par contre, il y a des trucs que j'aime pas. Alors, c'est les poneys, c'est nul. Les nains maléfiques et le Père Noël, ça connard. Voilà, ça c'est moi. Bon, non, je vais pas me faire roux parce que roux, j'aime pas les roux, ça pue, c'est maléfique. Non, je vais me faire, voilà, mettre les cheveux verts, c'est très bien. Alors un jour, je me suis dit, pourquoi ce serait pas une caméra? Comme ça, je pourrais être une star. Parce que moi, ce que je veux, c'est être une star. Alors j'ai fait des vidéos. Au début, il y a que mes amis qui regardaient, donc bon, j'avais 10 vues quoi. Puis après, ça a augmenté, il y a eu 100, puis 1000. Et puis moi, 1000, je disais, c'est pas beaucoup. Alors du coup, moi, j'ai poussé un coup de gueule. J'ai fait, oh, plus de vues que ça, ça va 1 million. Et puis j'en ai eu 10 000. Après, c'est bien, hein. Mais j'en ai eu même 100 000 après. Et bien sûr, j'ai eu 1 million. Oh, c'était trop content. Mais bon, ça a pas duré longtemps. Ce qui est, les gens, je crois que je les embête parce qu'ils ont arrêté de regarder. Maintenant, j'ai plus 1 million, hein. À l'école, la maîtresse et les enfants, bah, ils étaient tous roux, ils étaient tous contre moi. Alors moi, la maîtresse, elle me posait toujours des questions super difficiles. Toujours à moi que moi. Et puis moi, je répondais, mais pas forcément bien. Alors du coup, bah, la maîtresse, elle était vraiment pas contente. Elle me disait, non, c'est n'importe quoi, Zozo, t'es qu'un nul, t'arrives à rien, t'es trop nul. Et je me suis fait virer, ouais, je me suis fait virer de l'école. Alors du coup, comme je me suis fait virer de l'école, bah, je suis allé voir Kevin, mon beau-frère, parce qu'il travaille dans un garage. Et je lui ai demandé si je pouvais venir, quoi. Puis lui, m'a dit, bon, d'accord, parce que c'est la famille. Du coup, ben maintenant, je répare des voitures dans le garage de mon beau-frère. Sauf qu'un jour, ben j'ai fait une bêtise. Alors moi, je pensais que personne ne l'avait vu. Et comme par hasard, Kevin y arrive. Alors au départ, il l'a pas vu, il me fait bonjour, ça va et tout. Et puis je pense qu'en fait, il a vu ce que j'avais fait une connerie. Parce que juste après, comme pour l'école, quoi, je me suis fait virer. Du coup, ben moi, je me fais chier, c'est moi, regarder la télé. Je regarde toujours des films, hein. Je regarde des films de voitures, Fast and Furious, et tu vois. Je regarde aussi des films de combat avec Bruce Lee, Chuck Norris et tout. Ou alors d'autres genres de films. Des films que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les films comme ça. C'est bientôt mon anniversaire, le 1er avril. Et du coup, j'ai demandé à Kinépolis si elle pouvait organiser mon anniversaire. Et ils sont d'accord.
Du coup, eh ben, on a réservé une grande salle de cinéma. Et comme ça, eh ben, on pourra regarder une vidéo que moi j'aurais fait exclusivement pour vous. Et puis après, on regardera Fast and Furious, le nouveau, ce qui va sortir avec Paul Walker. Même s'il est mort, un vrai Paul Walker. Et il y a 20 places à gagner. Pour gagner les places, c'est facile. Tu vas en dessous de la vidéo, tu mets un pouce vert liké que t'aimes bien. Et ensuite, tu mets un commentaire avec le mot Zozo Bernard et puis Fast and Furious. Et si tu fais ça, moi, je regarde qui c'est que c'est le meilleur commentaire et puis je donnerai les 20 places. Je donnerai les noms que c'est qu'ils ont gagné le 27 mars. Donc, surveille ton Facebook ou mon bulletin de vidéo de chaîne YouTube. Une fois que vous avez vu votre nom, bah, vous m'envoyez un message sur Facebook et puis je vous réponds. Mais attention, 20 places, c'est pas beaucoup. Et on a toute la salle pour nous. Alors réserve ta place, comme ça tu seras sûr de venir. Comme ça, si jamais tu réserves et que t'as gagné, eh ben c'est pas grave, t'auras un nouveau ticket de cinéma. Et comme ça, après le film, eh ben je pourrais vous voir. Et on fera comme un meet-up quoi, qu'on fera des photos et tout. Et puis si jamais t'as pas eu de place, ben tu peux venir quand même, hein. Et on fera ça le 1er avril. Comme les autres, mon anniversaire. Le Kinépolis Home, hein. Et hésite pas à rejoindre moi et mes abonnés en t'abonnant à ma chaîne. Et puis tu peux aussi regarder mes autres vidéos. Ou même la vidéo que j'ai fait avec Monsieur G sur la bande-annonce des nouveaux James Bond avec une nouvelle voiture et tout. Est-ce que c'est stylé?